The safe room, M. Oui. It's not safe as long as you're in it. Not for us. Oui. Don't do this. Oui. I'm really sorry. Dégage. Merde, je m'en fous, je peux la tuer. C'est du détail, c'est juste pour arriver à la fin de... C'est juste pour arriver à la fin du chapitre. Holy shit, Mike! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, what the fuck did I just do? Aspect numéro 2. Mike. Fuck, fuck, fuck. Ok. Ok. Oh oui. It's over. Oui, it's over. Et bon, je crois que c'est un peu plus rapide quand tu butes Emily pour arriver à la fin du chapitre. Et dans tous les cas, je l'aime pas, donc... It's a safe room, guys. Puis, on protège la communauté en priorité. I had to do it. Okay. I'm gonna get the key from Josh. I'll come back here. You guys are safe. Ah, le plus important, c'est que Sam et Ashley soient sauvés. Mais bon, je te l'accorde, Mike est presque aussi sadique que Ashley. Il bute des gens, il les laisse mourir, après ils te disent « Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Il est mort !» Ashley... What is it? What does it say? Oh, just a lot of crazy stuff in here. It's kind of hard to believe, actually. It comes across as kind of a whack job. Putain, c'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon! On va regarder ça, mais c'est bon, putain! J'ai le putain de platine! Et donc, le platine! Ultra rare, 4,2% des gens l'ont eu! Putain, je suis bon! Oh putain! Ah, c'est jouissif. C'est jouissif. Et donc, comme vous pouvez voir, forcément, si j'ai le platine, j'ai tous les autres qui vont avec. Le seul trophée commun, c'est que les gens, ils n'ont pas buté Emily. Ah non, il y a celui-là aussi. Mike aussi, qui s'est coupé les doigts. Et Sam Ashley qui a attaqué le psychopathe. C'est les trois seuls trophées communs du jeu. Donc bon, maintenant, tu vois quoi. Ce que je fais, c'est que fermer l'application. Je m'en bats les couilles de l'application. Maintenant que le jeu est fini aussi, tant qu'à faire. C'est où? Supprimer. Ouais, j'ai pas su. Ça me fera de la place sur le disque. D'ailleurs, en parlant de supprimer, je vais le faire durant le live, mais je vais supprimer aussi. Supprimer ça. Je l'ai fini à 100%. Et supprimer, il est où? Supprimer ça aussi. Et donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc du coup, bah, le stream est fini. Et je remercie les gens qui sont venus. Donc, bah, pour nommer ceux qui ont parlé, il y avait Squeak31, il y avait Senior FIFA 15, il y avait Home Gits Noël, Yarnosui, Pokémon Swagger. Il y avait Silvercrow, forcément, Amy, Big Mouche. Et c'est à peu près tout. Je vais regarder s'il y a eu des abonnés pendant le stream. Si oui, les remercier. Ce qui est le minimum.
Et on a pas eu d'abonnés aujourd'hui. Mais donc voilà, tout est bien, qui finit bien. Et donc le platine a été obtenu comme... Oh, Silver! Silver et Fab qui arrivent sur la fin. Silver et Fab qui arrivent sur la fin. Je viens juste de choper le platine à l'instant. Je viens de choper le... Et sinon, pour te répondre... Comment ça s'est fini, Fab? Bah, ça s'est fini comme ça. Je vais te le montrer, ça s'est fini comme ça. Trophée platine obtenu. Voilà comment ça s'est fini. Donc, ça s'est fini. Qu'il y a eu la bonne fin, la mauvaise fin et la fin entre les deux, on va dire. D'ailleurs, je suis tellement fier de moi. Char. Attends, merci. Je vais partager ça. Tellement je suis fier de moi. Partager sur Facebook. Et salut Lorenzo aussi qui vient juste d'arriver, mais du coup vous arrivez pour la fin les gars. Que vous dire de plus, le prochain Benno Platine, il sera très court, je pense qu'il sera là-dessus. Pourquoi il sera très court? Parce que tout simplement, je vais pas faire les DLC, je vais juste faire le solo. Le solo, comme vous pouvez le voir, je suis à 93%. Il me manque que les trophées coop, et les trophées coop, je vais vous les montrer, ils sont là. Je suis en train d'y venir justement, Silver. Les trophées coop, ils sont là. Ils sont au nombre de 4. Réussissez la vague bonus en exo-survie. Jouez 30 minutes avec chaque classe dans le mode exo-survie. Inversez une carte deux fois. Donc ça, du coup, ça sera le prochain jeu. Et ça, je suis même pas sûr qu'il nous prendra 4 heures à faire celui-là. Mais le prochain jeu derrière ça, ça sera Assassin's Creed Syndicate. Et salut MacPaddle, mais malheureusement pour toi, tu arrives sur la fin... On vient juste d'obtenir le platine pour Until Dawn. Mais donc les prochains jeux, donc du coup, ça sera Call of Duty, Advanced Warfare, et après Assassin's Creed Syndicate. D'ailleurs, Assassin's Creed Syndicate, si tout va bien, je l'aurai le week-end prochain. Au même titre que j'aurai également Uncharted de The Nathan Drake Collection. Et merci, MacPaddle. Donc voilà ce qu'il en est. Donc sans plus tarder, je vais arrêter le stream là maintenant, sans faire durer. Bon, après, il y a des jeux qu'il faudrait que je joue quand même. Mad Max, j'y ai pas joué. Phantom Pain, j'y ai pas joué. Bon, ceux-là, c'est pas des jeux CD. Mais il y a quand même des jeux auxquels il faudrait que je joue, putain. Mais bon, je vous laisse voir la gueule de ma bibliothèque et vous allez comprendre pourquoi j'ai du mal à jouer à tout. Parmi les jeux CD, du coup, celui-là, je l'ai jamais commencé. Celui-là, j'ai pas commencé le solo. Celui-là, le solo est fini, du coup, le multi aussi. Celui-là, je l'ai même pas encore commencé, Destiny. Far Cry, il est fini, forcément. FIFA 15, je lui... FIFA 15, il est encore... Putain, FIFA 15 est encore installé. On va les installer. FIFA 16, attends, ça, du coup. FIFA 16, j'y joue de temps en temps, mais je dois avoir 1% de trophée dessus. Après... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après Mad Max, j'y ai pas touché. Metal Gear non plus. D'ailleurs, aucun des deux Metal Gear. Mortal Kombat, j'y ai pas joué non plus. Après, il y a quoi d'autre? PT, je l'ai fini, mais vu que je peux pas le télécharger, je pense que d'ailleurs, je vais. Merde, je peux pas le retirer. Mais je peux plus le télécharger. Puis après le reste, bah il y a des jeux sur lesquels je joue sur la PS Vita, même si c'est rare. Genre typiquement Super Meat Boy, je l'ai pris, Binding of Isaac, The Order, je l'ai pas encore commencé, faudrait que j'y joue aussi celui-là d'ailleurs. Celui-là me tentait beaucoup. The Witcher, je l'ai pas commencé non plus. Et donc toi tu me parlais de Arus Awakening. C'est quoi du coup comme jeu ça, Arus? D'ailleurs tu vois, je l'ai même pas téléchargé. Mais du coup vas-y, je vais arrêter le stream maintenant. Et du coup, dis-moi en privé ce que c'est qu'Arus Awakening, voir si ça me tente ou pas. En tout cas, merci à tous les gars. Je vous souhaite un bon dimanche. Allez.